rapide comme petite bébête. Boa des sables indiens, Eryx conicus, on l'appelle aussi le boa à queue rugueuse, boa originaire du Pakistan, et puis Népal, quelques autres pays que j'ai plus en tête. Donc c'est un petit boidé qu'on appelle à queue rugueuse et qui est extrêmement vif. Après, ça n'empêche pas de le manipuler, mais quand il mange, il rigole pas. Il est hyper rapide. Donc, hyper intéressant à observer. Très discret, par contre. C'est un bois plutôt fouisseur, enfin, même et quasiment que fouisseur. On a tendance à pouvoir l'observer le soir, à la tombée du jour. Et puis, un boa qui est peu présent en terrariophilie, parce que peu disponible, peu reproduit. Et par contre, moi, je kiffe ces espèces, les bois des sables, parce qu'en terrarium, c'est vraiment génial. On les voit enterrés, ils ont que les yeux, la tête qui dépassent. Hop là! Moi, je les assimile à la vitesse d'attaque des vipéridés. C'est vraiment du shoot rapide. Allez, pépère, mange. Bon, là, je lui ai fait peur, alors il est un peu stressé, donc il se contente de taper. Et je ne sais pas s'il va faire ses constrictions, je le ferai plus tard, dans 10 minutes, un quart d'heure, quand la tension sera redescendue. Sinon, on va lui laisser devant et il va finir par la prendre, je pense. Donc voilà, pour ceux qui veulent découvrir ces espèces, ça vous permet de mieux visualiser à quoi ça ressemble. Je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez voir pourquoi on l'appelle le boa à queue rugueuse. Il a les écailles carénées sur tout le corps. Et quand on s'approche de la queue, elles sont encore plus carénées. Je ne sais pas si vous verrez bien ici. Regardez sur l'autre spécimen qui mange juste à côté. On va bouger. Voilà, là on va mieux distinguer. Voilà pourquoi le boa à queue rugueuse. Donc un boa des sables, plutôt nocturne, qui peut atteindre une taille respectable sur le papier. C'est affiché à quasiment 1 mètre. Je devrais que j'ai pas encore pris contact avec énormément d'éleveurs pour savoir eux quelle taille atteignent leurs vieux spécimens, donc les vieux adultes qui vont avoir 7, 8, 10 ans pour savoir ce qu'il en est réellement. Mais voilà, je pense que c'est un boa qui peut faire un boa des sables, pardon, qui peut être de bonne taille et c'est plutôt sympa. Je ne les manipule pas souvent, donc ils sont relativement vifs. Mais voilà, pour en avoir eu des bois, des sables plus traditionnels, Eryx colubrinus, ça se manipule très bien si on les habitue. Faut juste attendre que la tension propre à l'heure du repas soit redescendue et puis ça se passe très bien. Donc une espèce vraiment sympa à découvrir et à observer le soir pour ceux qui sont des couches tard ou qui ont des insomnies. Vraiment sympa. Regardez cette gueule qu'il a. Et les couleurs sont peu flashy comparé à d'autres espèces, hein. Mais la tête, la forme de la tête et puis la dégaine du serpent, il est vraiment génial. C'est vraiment une espèce que j'adore, ils ont des yeux magnifiques, une tête de méchant et voilà, très joli serpent, moi j'adore.